Alors, bonjour à tous et salut à tous, c'est TheSport54, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude les petits potes. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Five Nights at Freddy's. Donc, c'est une map que j'ai réussi à trouver, donc elle a été... Donc j'ai fait une vidéo sur FNAF 3 Fanart hier soir, donc je vous invite à la revoir. Cette map a été créée par Funtime Foxy The Fox 656. Ah bah, regardez, je suis pas tout seul sur la map. Alors, donc là, nous sommes sur cette map. Donc vous voyez qu'il y a... il y a Freddy, il y a Bonnie, il y a Chica, il y a Golden. Oh les potes, c'est The Sport 54. Donc, voilà, donc on était là, donc il y a des gens qui sont partis. Donc, oui, il y a les mobs de Five Nights at Freddy's 1. Il y a Freddy, il y a Bonnie, il y a Chica, il y a Golden Freddy. Et il y a Spring Foxy. Donc celui-là, il est dans Five Nights at Freddy's, dans le vrai jeu. Il y a... Ah, il est revenu. Alors voici Spring Trap. Donc il y a aussi les Spring Lock Spring Trap. Il y a Fredbear. Et il y a Spring Bonnie. Donc par contre, dès que vous courez comme ça... Et ben vous avez que la tête de l'animatronics. Il y a Michael Afton, donc on s'appelle William. Excusez-moi, donc on va commencer par Springtrap. Donc déjà lui c'est le plus intéressant. Donc vous voyez que on va aller dans la security office. Donc vous pouvez vous asseoir sur la chaise. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, et après, si j'appuie sur Spring Lock, ça me fait le masque, et il y a Purple Guy. On va faire les mêmes trucs que Purple Guy fait. Voilà, je vais click me again, et après, tac, une fois que je mets wet me click me again in second, ça me transforme en chair, donc ça, donc le corps, il... je vais baisser le son, voilà, vous voyez donc, alors voilà ce que ça donne, vous pouvez ouvrir le masque, et donc, voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez courir comme ça, si vous voulez. Alors voilà ce qu'est devenu Michael, hein. Oui, il lui manque des dents, c'est pas trop une vraie version. Donc on va visiter les recoins de la pizzeria. Donc ici, il y a des têtes de Bonnie, là. Donc c'est juste le... Donc tiens, je vais lui demander un ami pour voir... ça ne réagit pas, hein. Donc je vais révoquer la demande. Donc si je vais par là, donc vous voyez qu'il y a du sang, donc c'est l'endroit où est mort Michael. Donc vous voyez que c'est le costume de Springtrap, il y a du sang. Donc pour je quitte la partie, donc je vous reprends une fois que je suis revenu sur la partie. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, c'est The Sword. Donc vous voyez que j'ai pris Springtrap lui. Donc Springtrap V6. Donc on va prendre Spring Foxy. On va voir ce qu'il nous fait. Wow. C'est très très bien. Donc voilà, tout le monde. Donc je vais vous expliquer pourquoi Golden Freddy est comme ça. Donc il est tout le temps assis parce que il a... Donc il peut sortir en endosqueleton, mais par contre, il a des câbles débranchés à l'intérieur du costume, c'est pour ça qu'il reste assis, qu'il peut faire que des illusions et pas se mettre debout. Par contre, il peut pas fly non plus, donc on va le prendre. Je sais pas les potes, mais il y a des bugs avec la tête là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Putain, fais chier!
Pour tout le monde, donc on va essayer Chica. Ah, voilà. Par contre, eux, ils n'ont, j'ai pas l'impression qu'ils ont notre menu, donc. Pour tout le monde. Donc, Spring Bonnie, lui, je me rappelle qu'il avait un mode menu. Voilà. Donc, voilà, il a tout ça comme menu. Dommage qu'il n'a pas le menu masque comme Spring Trap, car, comme je vous l'ai dit, regardez. Donc, s'il veut bien arrêter de bouger. Donc, vous voyez que là, ici, il a des petites vis. Putain, arrête de bouger. C'est con. Voilà, ici, il a des petites vis. Et donc, vu que les vis tournent, ben, il peut ouvrir son masque. Mais ils auraient pu la rajouter, le créateur de la map. C'est ça ce qui est vraiment dommage. Voilà, donc, on s'asseoir. Donc, je peux ouvrir la mâchoire. Donc, vous voyez que, on va voir. Comment est l'endoskeleton? Oui, comme je vous ai dit, dans cette version de courir, on a que la tête. Donc, vous voyez que ça, la mâchoire d'Endo, elle bouge en même temps. Alors, sa tête d'Endo ressemble à celle trop, elle ressemble trop à celle de FNAF 1. Donc, vous pouvez, donc si j'ai White Eyelid, ça les met comme ça. Eyelid Closed, c'est pour les fermer. Donc, vous pouvez mettre les yeux noirs avec des Endo pupilles jaunes. Ça, c'est quand il est agressif. Donc on va faire comme son vrai système. Donc, on va lui fermer les yeux et après hop, voilà. Après, bon, vous pouvez lui mettre la guitare, mais ça marche pas. Endo Pupi, vous lui mettre les yeux noirs. Jumpscare, c'est celui-là de FNAF 2. Gwan, c'est celui-là de Spring Trap. Alors voilà, c'était tout pour Spring Bonnie. Donc, allez, à tout de suite. Bonjour tout le monde, donc on va essayer Fredbear. Ah, il a un mode menu. Donc voilà. Alors on va aller voir Fredbear. Donc pour ceux qui savent pas, l'enfant que vous contrôlez dans FNAF 4, c'est Kevin. Il s'appelle comme ça. Et donc il hante Fredbear. Donc Fredbear, c'est Golden Freddy. Alors la mâchoire de Fredbear. On va voir comment est la tête d'Endo. Elle est pas mal. Donc, vous voyez qu'il ouvre la mâchoire comme ça. Regardez. En la faisant descendre. Et voilà. Vous voulez lui fermer les yeux. Lui mettre comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que c'est dès qu'il est agressif, il est comme ça. Microphone. Donc, vous pouvez mettre, pas mettre. Jumpscare, c'est celui-là de FNAF 2. Donc ça c'est le bruit dans FNAF 4. Après si vous faites Song. Donc vous voyez qu'il a de la lumière qui sort. Ah par contre ça c'est chiant donc il faudra attendre jusqu'à la fin. On va essayer Michael. Donc là, je suis sur le point de me connecter sur la map. Donc vous voyez Final Fantasy si vous voyez cette image-là. Donc avec un S. Donc vous cliquez dessus et voilà. Donc lui, c'est Michael Afton. Mode menu. Donc la scoped. Ah ça c'est Enar dans le corps de William Afton. Si vous vous mettez normal, Soul. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc ça. Donc vous voyez qu'il y a un endoskeleton à l'intérieur de lui. C'est Enar. Donc voilà. On touche à la fin de cette vidéo pas mal longue. Donc si vous voulez me rajouter en ami, donc mon pseudo est là, donc c'est Nolan Z. C'est Nolan Sleyers 2006. Voilà, je m'appelle Nolan Sleyers 2006. Si vous voulez m'ajouter en ami, faites-le. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne. C'est très très important.
activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire. Donc, c'était The 154. Allez, bah tout le monde!